et on va se battre jusqu'au bout. Que tout ça cesse, parce que ces gens-là, ils sont possédés par le diable satanique. Internet, télévision, tout ce qui est le mal, c'est tout ça. Mais quoi ? Pourquoi cette vidéo ? À la base, je voulais pas retourner sur le sujet du débat sur le mariage homosexuel parce que j'estimais que c'est pas mon rôle. J'ai pas vocation à me poser en porte-parole de la cause homosexuelle, bien que chacun l'aura compris, j'en sois un sympathisant. Et je ne voulais pas non plus partir en croisade contre l'Église catholique. Je suis quelqu'un qui respecte énormément la liberté de culte, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté de penser. Voilà, j'estime que chacun a le droit d'être pour ou contre ce mariage homosexuel. C'est pas ça que je critique, ce n'est pas le fond que je critique, c'est la forme. À la base, je voulais parler politique. Et puis, je suis tombé sur ça. Ça vous choque, vous, deux hommes qui se marient ? Pardon ? Ça vous choque, deux hommes qui se marient ? Alors d'abord, deuxièmement, pourquoi est-ce qu'ils se marient ? Hein ? Comme on dit aux bons Français, qu'ils s'enculent tranquillement dans leur chambre, hein, et il n'y a pas besoin d'un acte d'état civil pour s'enculer. Aussi, et toujours au titre de la liberté d'opinion, je vais exercer mon droit de réponse, qui est à mon sens un droit fondamental. Le gentil message du gentil monsieur que vous venez d'entendre est extrait d'un reportage que j'appellerai ici caméra trottoir. Bon, attention, rien de péjoratif dans ce terme. Eh oui, nous on fait bien du téléphone maison. Tourné le 24 novembre dernier près de l'hôpital Tenon à Paris. Pour le bref résumé, tous les mois s'y réunit un petit groupe de catholiques intégristes, anti-avortement, entre autres, et que je pense on peut clairement qualifier d'homophobes vu les propos qu'ils tiennent à visage découvert et face caméra. C'est moi. On vous crache notre coin dans la gueule, mais c'est parce qu'on vous aime bien, ok ? Un père, une mère, c'est pas foider les terres. Mais plutôt que de vous proposer une énième vidéo de jugement moral et de me baser sur mon simple avis, j'ai voulu essayer, entre parenthèses je mets, de décrypter ces deux vidéos qui m'ont particulièrement choqué. Allez-y, faut cliquer, elles sont là. Dépêchez-vous, je vais avoir des femmes pour moi. Vite, s'il vous plaît. Mais prenons les choses dans l'ordre et revenons un instant sur la caméra trottoir. Un téléphone. Dites-moi si quelque chose vous choque dans la scène suivante. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Au-delà du fait que les messes soient célébrées en latin... Moi, je préfère le latin de Pâques. Ce qui me choque le plus, c'est que ce soit célébré en public. Et quand je dis en public, c'est en face du Grand Marché Gambetta à Paris. Excusez-moi du peu. Inutile de vous rappeler que la France est un état laïque et que les prières de rue ne sont pas autorisées, comme le rappelle l'article 2, alinéa 1er de la loi de 1935. D'ailleurs, pendant l'affaire des prières musulmanes de Paris en 2010, les catholiques avaient bondi et s'étaient jetés sur cet article pour dénoncer cette action qu'il jugeait scandaleuse. Une action d'autant plus hypocrite que cette manifestation mensuelle et pas menstruelle est autorisée par la préfecture de Paris. Je cite. Ils expriment une opinion religieuse dans le cadre de leur liberté d'expression. Qu'ils prient ou qu'ils chantent du Mireille Mathieu, nous ne sommes pas juges sur le fond. Les prières de rue que l'on a connues dans le 18e arrondissement avaient un caractère fréquent et troublaient l'ordre public parce qu'il était impossible de faire passer les secours. Bon, maintenant je suppose que vous vous demandez comment les gens réagissent face à ça. Allez, juste pour vous un petit florilège. Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation d'en face ? C'est lamentable, c'est absolument lamentable d'entendre des choses pareilles. On est au Moyen-Âge ? Je veux dire que la France est un pays de droit, qu'il y a des lois, que les prières de rue sont interdites, qu'il y a des lieux de culte, qu'ils ont qu'à aller à l'église et qu'ils ont qu'à faire la morale. Oui, et qu'ils peuvent faire la morale à
à tous leurs curés qui tripotent des gosses. Non, ces messieurs sont assis en priant. Oui. Je respecte. Ils seraient là avec des tapis de prière. Les CRS seraient déjà intervenus. Parce que c'est pas autre chose que des fachos qui sont là en train de faire des prières de rue. Et eux, ils ont le droit d'être là. Et en plus, devant le marché, où il y a tous les gens qui sont obligés de les subir. C'est triste que dans une démocratie, tout se vaut, hein, et que des manifestations comme ça ont lieu, et que surtout, elles sont soutenues par les autorités publiques, et que si, effectivement, on vient juste écouter, s'opposer, ou juste manifester un mécontentement, et ben on est direct obligé de partir. On a 5 agents de la police qui viennent nous dire de bouger de la voie publique, et je trouve ça juste inadmissible. Mais la réaction la plus intéressante, à mon sens, c'est celle des CRS, représentants de l'État, au passage. À l'égard des passants. Je ne circule pas, je fais mon marché, monsieur. Et si on m'oblige à être dans une église pendant mon marché, je ne vous ai pas interpellé, vous. J'interpelle des gens qui manifestent. Non, certainement pas. Oh, c'est la meilleure. C'est la démocratie, c'est la République. C'est pas la démocratie. Super, dites ça que c'est pas la démocratie. Dites-le dans un micro que c'est pas la démocratie. Dites-le que c'est pas... Non, mais incroyable. Non, c'est pas la démocratie, il faut que je me taise. J'ai une injonction de me taire et on a une injonction de circuler. On nous met une église dans la rue, exactement. Les prières à l'église. Je traverse et en fait c'est comme ça toutes les 3 semaines et voilà, c'est insupportable. On profite de cela pour remercier la police de son intervention pour nous protéger. Et enfin, on a trouvé la concurrente à la célèbre gagnante de l'année du Petit Journal. Nous, on est là pour défendre les enfants et ça sera le rosaire jusqu'au bout. Jusqu'au bout, mais on perd les cours. Et on va se battre jusqu'au bout. J'estime que l'enfant, il a besoin d'avoir un papa et une maman. Vous imaginez un petit garçon, une petite fille, dire « maman » et il ne sait pas où il en est. Apparemment, toi non plus, ma grande. Tout en sachant qu'en grandissant lui-même, et que ça sera par génération, ça sera lui-même un homosexuel. Il deviendra lui-même homosexuel. Donc, si on suit cette logique, un enfant élevé par des hétéros ne peut être qu'hétéro. Bah oui. Mais alors viennent d'où les homosexuels? De l'espace? Les extraterrestres! Ils arrivent! Ils sont parmi nous! Autre chose qu'on ne sait pas, c'est que quand l'enfant naît avec deux hommes, qu'un des parents peut partir travailler, le deuxième monsieur, entre parenthèses je mets, hein, qui est lui-même homosexuel, pourra abuser de l'enfant et l'enfant peut être violé. Donc arrêtons ces monstruosités. Pour moi, c'est satanique et diabolique. Donc selon elle, tous les parents homo sont des futurs violeurs en puissance. C'est extrêmement grave comme propos. N'importe quoi. Prenons le cas où Akko, c'est un parent homosexuel. Non, pas ça. Plus jamais. Est-ce qu'un homme qui veut se marier avec un homme, il fait le mal? C'est ça, c'est le mal. Ça fait partie du mal, oui, mais il y a bien d'autres choses que cela. Disons qu'il fait partie, ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme. Sur ce point, je voudrais revenir avec vous sur un livre que m'a conseillé Akos. Je ne dis pas que de la merde. Et qui a été écrit en 380 avant Jésus-Christ. Le banquet de Platon. Aristophane, dans son discours, dit ceci. Notre nature était autrefois différente. Il y avait 3 catégories d'êtres humains, le mâle, la femelle et l'androgyne. De plus, chaque être humain était en fait une sphère avec 4 mains, 4 jambes et 2 visages sur une tête unique, 4 oreilles, 2 sexes, etc. Les humains se déplaçaient en avant ou en arrière et, pour courir, ils faisaient des révolutions sur leurs 8 membres. Le mâle était un enfant du soleil, la femelle de la terre et l'androgyne de la lune. Leur force et leur orgueil étaient immenses. Désireux de prendre la place des dieux, ils tentèrent de monter jusqu'au ciel pour y combattre. Zeus trouva un moyen de les affaiblir sans les tuer, ne voulant pas anéantir la race comme il avait pu le faire avec les titans, il les coupa en deux. Il demanda ensuite à Apollon de retourner leur visage et de coudre le ventre et le nombril du côté de la coupure. Mais chaque morceau regrettant sa moitié, tentait de s'unir à elle. Il s'enlaçait, en désirant se confondre, et mourait de faim et d'inaction.
Zeus décida donc de déplacer les organes sexuels à l'avant du corps. Ainsi, alors que les humains surgissaient auparavant de la Terre, un engendrement mutuel fut rendu possible par l'accouplement d'un homme et d'une femme. Alors les hommes qui aimaient les femmes et les femmes qui aimaient les hommes, moitié androgynes, permettaient la perpétuité de la race. Et les hommes qui aimaient les hommes, moitié d'un mâle, plutôt que d'accoucher de la vie, accoucheraient de l'esprit. Ces derniers sont, selon Aristophane, les êtres les plus accomplis, elles étant purement masculins. L'implantation de l'amour dans l'être humain est donc ancienne. C'est l'amour de deux êtres qui tentent de n'en faire plus qu'un pour guérir la nature humaine. Nous sommes la moitié d'un être humain et nous cherchons sans cesse notre autre moitié, de l'autre sexe ou du même sexe que nous. Abordons maintenant la deuxième vidéo dont je voulais vous parler aujourd'hui. En fait, il s'agit d'un reportage entrecoupé de témoignages de gays et lesbiennes à propos de la manifestation du 17 novembre 2012 à Marseille, des opposants au mariage pour tous. Volontairement, et pour éviter une vidéo trop longue, on a choisi d'occulter ces témoignages que je vous invite quand même à aller voir dans la vidéo complète, parce qu'ils n'en sont pas moins extrêmement intéressants. Encore une fois, ce n'est pas l'initiative de la manifestation que je critique ici. Si on manifeste en faveur du mariage homosexuel, il est normal que les opposants aient un droit de réponse. C'est comme ça qu'on construit un débat productif. Un papa, une maman, c'est ça des vrais parents. Un papa, une maman, c'est ça des vrais parents. Un papa, une maman, c'est ça les vrais parents. Un père, une mère, c'est complémentaire. Ce que je critique vraiment, ce sont les discours fanatiques et haineux qui sont tenus au cours de cette marche. Pourquoi vouloir les mêmes droits que les autres? Moi je suis pas contre eux, je suis pour eux, je suis pas contre eux, je suis contre l'égalité totale. C'est bien connu, tout le monde est LGBT du moment qu'ils réclament pas le droit de vivre. Bon, heureusement, il y a des homos qui ne se laissent pas marcher dessus. Pas tous alignés, allez, c'est une belle ligne de protection. On sait jamais le danger d'un début et d'être aidé. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'embrasser, c'est ça encore? C'est scandaleux, hein? Bon, et puis au milieu de tout ça, il y a quand même des gens qui tentent de se poser des questions. Mais bon, attention, faut pas trop leur en demander non plus niveau réponse. Le mariage pour tous, ça veut dire quoi? Mariage à trois, mariage à quatre. Voilà. Mariage avec vous-même. Un père peut épouser son fils, si c'est le mariage pour tous. Voilà. Bon alors, l'amalgame avec la polygamie, jusque-là je connaissais. Mais alors, s'épouser soi-même, celle-là on l'avait jamais faite. Peut-être une future ouverture des droits pour les schizophrènes à dissociation de personnalité. C'est beau. Je vais faire l'amour. Ah, je n'y attendais pas. Ça me fait plaisir. C'est le plus beau jour de ma vie. Pour le reste, à moins de méchamment rater votre Oedipe, je pense que papa peut dormir sur ses deux oreilles. Le fiston le traînera rarement devant le maire. Voilà, c'est moi. Voilà. J'ai un papa, j'ai une femme, une vraie femme, qui a germé. Je l'ai mis en cloque. Elle m'a fait des enfants, voilà. Mais de l'autre côté, ils veulent pas. Il fait germer sa femme? Mais il a épousé un baobab ou quoi? Arrête de faire germer ma plante! Oui! Mais heureusement pour la populace, nos élus sont là pour nous ramener sur le droit chemin du débat constructif et des arguments recevables. Conseiller régional pour national. Voilà, on défend la famille. Voilà. On est pour un papa, une maman, et non pas un parent et un parent en bis. Voilà. Un enfant, ça se fait avec un homme, une femme. Ça se fait pas entre deux hommes ou deux femmes. Voilà. Et le mariage, c'est un homme, une femme. Voilà. Je suis désolée, c'est le dictionnaire. On peut pas aller contre le dictionnaire. Voilà. Alors, intermède, interroger... Ah, intolérance. Tendance à ne pas supporter, à condamner ce qui déplaît dans les opinions ou la conduite d'autrui. Ah bah, on va pas contrarier le dictionnaire, hein. On peut pas aller contre le dictionnaire. Bon, allez. Un petit dernier pour la route. Je représente le Front National. On se limite, on ne se limite pas à une sexualité. Oui, je ne me limite pas. Moi, personnellement, à titre personnel, je suis loin d'être homophobe, je suis même plutôt homophile. Homophile? Parce qu'il aime les homos? Mais attends, tu es en train de me dire que s'il aimait les enfants, il serait... Mais je n'approuve pas le mariage gay. Ces revendications, ce genre de revendications est indigeste.
Parce qu'à la limite, si on promulguait la loi pour le mariage gay, alors pourquoi pas, on pourrait accepter la polygamie, la reconnaissance juridique à la polygamie. C'est une escalade qui est insupportable. Toutes ces revendications sont insupportables. Voilà. On peut revendiquer pour des causes différentes, là, elles sont tout à fait acceptables, mais ce genre de revendication, c'est contraire à notre civilisation et nous ne l'entendons pas ainsi. Contraire à notre civilisation ? Faut sortir un peu des conventions et faits, mon grand. On est en 2012 et dans un état laïque. Hein, je dirais que chacun est libre de gérer son couple, sa sexualité, mais de là, la manifester courant populo devant l'espace public, c'est insupportable. Voilà. Nous n'entendons pas en France de voir deux hommes qui s'embrassent dans la rue ou deux femmes qui s'embrassent. La sexualité doit être gérée dans la sphère privée. Voilà, tout simplement. Alors c'est d'accord, ni un homme ni une femme doit s'embrasser dans la rue. Ah non, mais un homme et une femme. Non, mais depuis la nuit des temps, l'homme et la femme s'embrassent entre eux. Hein, deux hommes qui s'embrassent, ça doit appartenir dans la sphère privée. Mauvaise foi. Ta-da-ta-ta-da. Voilà. Moi, je ne suis pas contre que deux hommes s'embrassent, mais dans leur logis, en quelque sorte. Voilà. Et pas comme ça, se manifester extérieurement. Parce que moi, je vais vous dire, sincèrement, si on promulgue la loi mariage des homosexuels, je vous garantis, il y aura des musulmans qui vont venir chez nous, ils vont dire, écoutez, puisque vous autorisez le mariage gay, eh bien alors pourquoi n'autoriseriez-vous pas le mariage, la reconnaissance juridique de la polygamie, des hommes avec des femmes, et on s'en sort plus. On s'en sort plus. Oui, mais moi je le vois le rapport. Et croyez-moi, les musulmans le verront le rapport. Hein, et ils ne se garderont pas d'exprimer cette revendication. Parce que l'égalité, nous ne sommes pas contre l'union entre les hommes. Mais chez eux, ils n'ont pas à se manifester courant populo dans les lieux publics. Voilà. C'est comme nous, en tant que représentants du Front National, on n'entend pas voir par exemple des mosquées cathédrales pulluler à Marseille. La France est de tradition chrétienne, elle tend à le rester. Voilà, elle est de tradition chrétienne, elle tend à le rester. Voilà. Et pour finir, j'ai envie de vous aiguiller vers un article extrêmement bien construit qui nous a beaucoup aidé pour écrire cette vidéo. Parce que si ici on critique énormément les catholiques radicaux, faut pas oublier que les radicaux, il y en a dans les deux camps. Et pour conclure, j'ai envie de vous lire ce qu'on a écrit tout à l'heure avec Akos. Tâchons de garder à l'esprit que bâillonner l'autre ne fait pas avancer la cause que l'on défend, elle la dessert au contraire. Un débat construit nécessite de l'ouverture d'esprit et passe nécessairement par l'acceptation d'une opposition. On ne peut pas tomber d'accord sur tout, la liberté d'opinion est essentielle en démocratie. Être contre l'ouverture du mariage pour tous n'est donc pas condamnable. En revanche, défendre son point de vue par des actions de violence et de haine, qu'elles soient physiques ou verbales, l'est totalement. Bon, afin de prolonger ce débat, je vous invite bien sûr à partager cette vidéo, à la commenter, voire à la critiquer, si jamais vous en ressentez l'envie. Toute critique, à mon sens, est bonne à prendre, du moment qu'elle est argumentée et construite. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, un peu longue, je le conçois. Bonne fête à tous et bonne fête à tous. Bon, salut tout le monde, donc c'est le petit bonus de la vidéo un petit peu parce que c'est une vidéo longue, on s'est dit autant rajouter 5 minutes de plus en prenant un peu le temps de parler avec vous. Voilà, on voulait revenir un peu sur tout ça parce que c'était une vidéo pas facile à faire. Il y avait vraiment des discours qui peuvent pas laisser de marbre et je sais déjà qu'il y en a parmi vous qui ont peut-être vu les vidéos et qui se sont déjà énervés à leurs propos. Pour nous, ça n'a vraiment pas été facile. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire mon rôle de clown et à pas à un moment essayer d'avoir un discours sérieux sur la question parce que j'étais énervé. Donc, j'ai fait cette petite merde qui s'affiche là au-dessus de mon doigt. Voilà, vous pouvez aller voir la vidéo. Un joli YouTube poop de 4 minutes et quelques secondes.
J'espère qu'il vous fera rire. C'est méchant, c'est bête, mais au moins c'est drôle. Donc, si ça vous tente, allez-y. C'est une vidéo qui a été assez éprouvante à tourner parce qu'on a eu pas mal de choses à faire en très peu de temps. Parce que vu qu'on est en hiver, la luminosité descend très vite. Autant dire que c'était un calvaire, on a couru contre le temps. Et ça a été très dur de garder une objectivité complète dans le sens où il y a eu, comme vous avez pu le voir et l'entendre, des propos extrêmement durs. Pour moi, c'est juste choquant, notamment sur le passage des élus. Moi, je trouve ça juste aberrant d'entendre des élus sortir ce genre de choses. Non, c'est complètement hallucinant. C'est un discours de haine. Et je tiens à repréciser une dernière fois que pour les croyants qui regarderaient cette vidéo, c'est pas le catholicisme qu'on critique, c'est le discours de haine qu'il y a derrière. C'est le discours de haine que ces personnes-là font passer, et aussi bien, d'ailleurs on le dit à la fin de la vidéo, où il y a des radicaux des deux côtés, notamment avec les fémènes, notamment avec sur le lien dont je vous renvoie. C'est quelque chose d'aberrant en 2012, à mon sens. Ouais, voilà, parce qu'au final, je rebondis sur ce que tu dis, hein, la religion, on n'a rien contre, on a des amis qui sont très chrétiens, je trouve ça fantastique d'arriver à avoir la foi dans un monde qui se part un peu en sucette, pour rester poli. Franchement, les mecs, bravo, c'est un courage extraordinaire, je trouve, que vous avez, et gardez cette flamme en vous. Mais c'est comme partout, il y a des extrêmes, et je suis sûr que ça vous chagrine sûrement autant que nous, quelque part, de voir ce genre de débordement être associé à la religion, et on essaie de ne pas faire l'amalgame et de bien garder la distinction entre les deux. Bon voilà, je crois qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire. Après, c'est à vous de vous faire votre avis. Nous, ce qu'on a voulu dénoncer, c'est la teneur du propos. Plus sur la forme que sur le fond. On a le droit de critiquer, c'est même normal. À mon sens, c'est parce qu'on critique et parce qu'il y a des arguments des deux côtés que le débat est intéressant. Mais si c'est pour avoir un débat aussi puéril et aussi inintéressant que celui-là, je pense qu'il faut soulever le fait que le niveau est beaucoup trop bas et que c'est juste inadmissible. Et rappelez-vous, voilà, un débat, c'est un échange de mots, c'est pas un échange de coups. Je suis le premier à reconnaître que ça peut être tentant face à un discours pareil de céder à la colère, de céder au côté obscur, hein, si l'on peut dire. Réfléchissez à plus ou moins long terme. Essayez de vous dire, là, on leur pète la gueule et après, qu'est-ce qu'on gagne, Il faut rester modéré, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Hein. On parle pour tout le monde, là, c'est essayer de poser un peu. Faut calmer le jeu. C'est un débat très important de 2012 et encore de 2013, si on existe encore. C'est important d'avoir son mot à dire, ça je suis d'accord, mais attention à comment on le dit. Bon, bonne fête à tous, merci infiniment d'avoir regardé. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis si vous avez des choses à dire sur cette vidéo. On sera ravis de les entendre. Et puis, à bientôt, j'espère, pour un prochain Médito. À la prochaine.